Alors, pour la première réalisation des bienfaits du beurre de karité, on aura besoin, donc, pour réaliser un gommage exfoliant pour notre peau, on aura besoin donc du sucre de canne, du pur sucre de canne, donc 5 cuillères à soupe du sucre de canne. Un, deux, et 5. Ensuite, on va y rajouter du zeste de citron. Là-dessus, vous pouvez prendre en fait du citron vert, hein, ou du citron jaune, selon votre préférence. Vous le râpez. Alors, nous avons donc notre zeste de citron que voici avec le sucre de canne. On va y rajouter une cuillère à soupe telle quelle que voici. Une cuillère à soupe de beurre de karité pur. Et on va mettre dans un récipient comme celui-ci. Je fais fondre le beurre de karité au bain-marie. On n'attend pas qu'il soit dissous complètement. Donc je l'enlève pour donc l'introduire dans notre préparation, telle que voici. Et on va procéder. Alors, on procède ainsi au mélange de nos ingrédients. Je vais rajouter un autre gommage, un peu de jus de citron que voici. Le citron est très bon pour la peau et même les propriétés sont vraiment efficaces pour l'organisme. Le citron. Alors, nous avons notre texture que voici. Prêt à l'emploi. D'accord? C'est bien le gommage après. Pour la deuxième préparation concernant les bienfaits du beurre de karité sur nos cheveux, cette fois-ci, on va laisser bouillir donc de l'eau chaude dans une casserole. On va y introduire 2 cuillères à soupe de beurre de karité. On va le faire fondre au beurre-marie. Et voici la deuxième cuillère. On laisse fondre notre beurre de karité. Donc, notre beurre de karité a bien fondu, pas en totalité, donc dans notre beurre-marie. On va y ajouter de l'huile de coco, en l'occurrence 2 cuillères à soupe d'huile de coco. C'est une chantilly de karité, hein, pour les cheveux. Alors voilà, nous avons. Et ensuite, je vais rajouter aussi du miel. C'est un humectant. Moi, j'adore sur mes cheveux. 2 cuillères à soupe de miel. Et de l'huile de ricin. D'abord, l'huile de ricin qui favorise, en fait, stimule la pousse des cheveux. Les renforce. Voilà. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile de ricin. De l'huile de jojoba. L'huile de jojoba rééquilibre le sébum sur le cheveu, hein, et apporte des vertus aussi apaisantes. Le beurre de karité, non seulement il apaise, il hydrate, il fortifie le cheveu. Les propriétés sont vraiment excellentes, non seulement pour la peau, mais également pour les cheveux.
là je vais donc mettre de l'huile essentielle de l'ylang-ylang. C'est au choix, cinq gouttes d'huile essentielle de l'ylang-ylang pour pouvoir apporter Alors, nous voici pour l'application de notre gommage. Eh bien, voici la texture exfoliant pour la peau. Alors, je l'applique ainsi. Ça fait du bien. Sur la jambe, le corps, le bras. Et je sens tout de suite vraiment comment ma peau devient de plus en plus lisse. Et là, généreusement, et insister sur les parties comme les genoux, les coudes et les extrémités. Alors, remonte dans le carité, j'ai pris une lampe de l'eau, pour prendre une cuillère à soupe, j'ai mis dans de l'eau, et ensuite je vais y rajouter donc l'huile essentielle de l'arôme. Je lève ainsi 5-8 l'essentiel de l'arôme. Maintenant, les prêts pour avoir une peau douce. Parfait. J'exfolie ma peau avec notre gommage. Là-dessus. Là. C'est très agréable. Sur le bras. On a le plaisir de prendre soin de soi. Donc, regardez l'effet du gommage sur ma peau. Je n'ai jamais fait ça. Hein. Là, je découvre franchement quelque chose qui deviendra pour moi cet été un rituel incontournable. Elle est douce, soyeuse, toutes les peaux mortes disparaissent. Chest on the day that she left, but it was for the best. I was praying down on my knees, and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Happy. Yeah.
qui avaient regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire les bienfaits du beurre de karité dans votre routine capillaire. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Je vais faire en fait simplement prendre mes cheveux tels quels parce que je vais les laver demain. It can light up your darkest days, baby. Je vais faire par exemple des twist out. Hein. Moi je les attache comme ça. Je fais une grosse natte. Je vais essayer de s'éloigner. Le masque tient bien toute la nuit. Et enfin, je vais attacher mon petit foulard aussi. Je ferai donc la séance montrée, c'est-à-dire avant shampoing. On met notre shampoing pour faire ce masque, la gentille de qualité, très nourrissant, hydratant, qui favorise également la pousse de nos cheveux. Et voilà, et je suis prête pour la nuit. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, simplement pour m'encourager sur cette belle aventure qui est la pousse des cheveux et les soins des cheveux. Partagez et laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Si vous l'avez essayé, c'est également un petit mot. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous love très très fort. Et à bientôt.